C'est parti pour la réacte du chapitre 1122 de One Piece. On va aller voir ça tout de suite. Bon, allez, let's go. Merci encore une fois à Uniza... Ah, c'est un autre blaze, non? Et Goruden. Merci les refs. Franchement, vous êtes des goats. On n'attend pas dimanche. On est des pirates. Et ouais. C'est fou. Et putain, c'est fini. Ça y a pas. Ça va reprendre. C'est l'heure. Oh! Requête? Ah, c'est une requête. J'ai essayé de reproduire le dessin de Smoker qu'un jeune garçon de la préfecture Aichi a dessiné il y a 22 ans. Pourquoi ? Hirohaka. Vous avez la ref ? Comme le chapitre est sorti, je suppose que vous avez la ref. C'est qui ce gamin du coup là ? Parce que c'est pas... C'est l'auteur de Mayor... Non ! C'est l'auteur de Mayor Academia ! C'est trop classe ! Ah ouais, c'est beau ! Ah ouais, la ref, elle est magnifique ! Ah, c'est un beau cadeau, hein. Vous imaginez, vous faites votre manga, Oda il fait ça pour vous. Ah ouais, je l'encadre. Je l'encadre, c'est l'heure. Oh, j'ai pas... Attends, attends, attends. Chapitre 1122, c'est l'heure. Donc... C'est l'heure, le robot. Quand Jamais il dit c'est l'heure, on y est. Attendez les refs, it's time. Les temps changent. Le sort du monde dépend des pirates. Attends, qu'est-ce que tu racontes, Vegapunk? C'est impossible. Est-ce que ce pays va sombrer dans l'océan, lui aussi? La marine doit faire quelque chose. C'est le plus grand génie du monde qui l'a dit. Allons le choper. Le One Piece existe vraiment. Les refs, c'est l'effet barbe blanche en fois 1 milliard, ce qu'a fait Vega en vrai. Là, c'est bon. Là, genre, c'est vraiment... C'est bon. Là, le One Piece, il n'y a personne qui en doute. C'est un truc de ouf. Ça fait trop plaisir. Ça va chambouler le monde de fou. Il est temps que nous... Ouah, même eux, ils s'excitent. Il est temps que nous, pirates, prenions les rênes. Le monde va sombrer de toute façon. Laissez-nous nous amuser. Ouais. Le gouvernement ne sait pas ce qu'il attend. Ah, frérot, le dentiste aussi, il sait pas ce qu'il attend, sa grand-mère, si tu sors. Oh, les chicots. Pourquoi tu laisses entendre le message? Ah, j'avoue, c'est con, ça. Il est diffusé sur tous les escargophones de la prison. Et on ne peut pas les arrêter. Ah ouais, hey, Vega, il est intelligent. Il a fait des trucs de schlag, mais il est intelligent. Comment oses-tu, Vegapunk? À la marine, magnifique. Oh, Kobe! Le roi des pirates? Ça signifie que vous êtes à la recherche du One Piece? Il faudrait que le monde entier s'agenouille devant vous? Sourire de Luffy. Les souvenirs. Je dois t'empêcher de réaliser... Oh, ah, j'ai les larmes. Oh, je sais pas si ça se voit, j'ai les larmes. On dirait Usopp. Usopp. Où le fou? Comment? Mais pourquoi faire? Ah, j'ai juré que Luffy actuellement, il lui met une patate. Il finit tétraplégique, Miskin. Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Je dois t'empêcher de réaliser ton rêve.
Oh, à moi, franchement. À la marine, y a rien à dire. Ah, ils nous font rire. Ouh. Il est là, Baggy, le goat. Pourquoi vous appelez ça mon monde, bande de crétins? C'est pas vraiment ce que je vous souhaitais, pas vrai? Hein? Hein, président Baggy? C'est notre monde, n'est-ce pas? Ah, le goat, il sait les péchos. Le goat, c'est le même. Salut, toi. Il en manque de séduction. C'est un beau parleur. Président Baggy, on vous suivra jusqu'à dans les profondeurs de l'enfer. Et les deux, ils sont là. Crocodile est l'être le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Assieds-toi. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, caribou, caribou! Qu'est-ce qu'on fait, Teach? On pourrait simplement le tuer. Caribou! Amiral Teach! Je suis sûr que mes informations vous plairont. Ah, ça commence les histoires. Oui. Amenez-le-moi. Je m'en occuperai. Si ces infos sont nulles... Ok, je m'en occuperai si ces infos sont nulles. Voilà la vérité. Joy Boy. Hein? Attends, il n'a pas fini encore de raconter des dingueries, là? Voilà la vérité. Joy Boy. Il. Ah ouais, c'est dur le robot. Putain, mais regardez la taille de ce facochère! Regardez la taille de ce facochère! C'est quoi ce Pumba de fou? Vous avez vu la taille de malade qu'il a? C'est normal, hein, c'est Meilleur Habib, mais oui! Eh, vous imaginez, vous, à l'Assemblée Nationale face à Meilleur Habib? Normal, vous prenez cher comme ça, les refs, wesh! C'est sûr! Le géant de fer! Non, le signal! Bon bah, c'est fini. Moi, j'ai flop. J'avais dit que Vega couperait avec un vrai message d'adieu poignant. Non. Non, ta gueule, c'est fini. Ah, bye. Bonne chance, la Toé, ouais. Non, ils sont pas encore tombés dans... ils sortent du Mont Everest. C'est quoi ce bordel? Ils sont toujours pas arrivés, là? Le vieux cheval est revenu. Fais quelque chose, Zoro. Eh oui. On va avoir un nouveau clash. Est-ce qu'on va avoir le ciel qui se sépare en deux avec eux deux qui clashent? Genre, qui des rois? Vous imaginez la dinguerie? Pardon, Joy Boy. Oh, c'est quoi cette double page de dégénéré? Crie. Le robot géant, hein? Je te demande pardon à toi aussi. Je savais bien que c'était impossible qu'il soit encore en vie. Tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre? Tu lui ressembles. J'étais nostalgique. Mes sentiments de l'époque ont refait surface. J'espère que Joy Boy me pardonne. Les refs, je suis désolé. Je vous annonce, tout le monde se lève, s'il vous plaît. Tout le monde debout. Ceux qui sont debout, ceux qui vont devant une chaise, ceux qui conduisent en voiture, vous descendez de la voiture en marche et vous mettez debout. Je vous demande, s'il vous plaît, 30 secondes de silence. Pour la théorie, Luffy, c'est Joy Boy qui a voyagé dans le temps, qui est revenu, qui a fait un enfant de lui-même, qui a créé son père de lui, qui est lui. Voilà, on a honoré cette théorie qui c'est la théorie la plus courte de l'histoire. C'est une théorie, elle a été détruite dans le même chapitre. C'est une théorie qui a été détruite dans le même chapitre. Ah, on rigole les refs, c'est pas méchant, c'est drôle. Je n'ai pas réussi à faire de lui un... Oh, quoi? Oula. On rebobine. Je reprends. Je te demande pardon à toi aussi. Je savais bien que c'était impossible qu'il soit encore en vie. Tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre? Tu lui ressembles. J'étais nostalgique. Mes sentiments de l'époque ont refait surface. J'espère que Joy Boy me pardonnera. Je n'ai pas réussi à faire de lui un roi. Oh la dinguerie! Joy Boy, il voulait être roi. Genre roi des pirates? Ça n'existait pas, c'est le premier des pirates. Ou roi du monde comme Xebec. C'est l'un ou l'autre, hein. C'est soit roi des pirates, soit roi du monde. Mais l'info, elle est violente. J'ai hâte de voir la vraie trad. Parce que l'info, elle est incroyable. Ouah, le ver géant sacré, on va couler. Un roi?
Comment tu t'appelles? Oh, comment tu t'appelles et tout stylé! Je m'appelle Monkey D. Luffy. C'est quoi tout cette... Attends, c'est quoi ça? Attendez, attendez. Je m'appelle Monkey D. Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. D. C'est quoi ce nœud là qui l'ouvre? Hé, hé, hé. Hé, Luffy, tu as qui des rois? C'est ça le truc! C'est ça le pouvoir, wesh! C'est quoi cette histoire? Il a créé du haki? Merci. Tu m'as laissé entendre ce rythme nostalgique une dernière fois. Comme Zunisha! La même réaction. Merci beaucoup, Nathan. Merci, mon wesh, pour la force. Ne meurs pas. Je ne te laisserai pas mourir. Ah, c'est beau! C'est beau de ouf! C'est super beau, mais c'est quoi ce haki? Oh, le ciel! Le ciel, il s'est séparé en deux, les refs! Ah ouais, c'est la puissance des grands. Ah ouais! Vous avez vu, quand il y a du haki des rois surnaturel, surdimensionné dans One Piece, il est toujours montré. Il est toujours montré comme une évidence. Tu peux pas avoir un soupçon de doute. Regardez, voilà, la mousse dans la bouche, les gens qui tombent, les éclairs, le ciel. Et dans One Piece actuellement, du coup, il y a les empereurs. Il y a les empereurs qui sont capables de séparer le ciel en deux. Il y a ce haki des rois qui sort de zombie la mouche. Oh là, comment ils prennent cher! C'est du haki, il est si puissant, mais tout le monde tombe! Qui fait ça? Oh! 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 Non! Mais wesh! Mais c'est quoi ce haki des rois de malade? Genre, il a détruit les invocations. Ils sont tous détransformés. C'est Sanji ou quoi qui est posté chez? Attendez, j'ai cliqué deux fois. Oh, elle masterclass la page. Oh, elle est trop bien dessinée. Wouah! Seigneur Imu! Donc, on avait raison, les refs. Bon, je crois que la terre entière avait raison là-dessus. La terre entière. Les membres du Gorosei, c'est des homonculus ou c'est des trucs, c'est des parties de ou c'est des parties ou des créations de Im. Voilà, on a la réponse, ça y est. Ça y est. Bah, vous imaginez la dinguerie, les refs? Mais pourquoi elle dit Joy Boy? Ah, c'est le haki de Joy Boy! Oh, je suis demeuré, il m'a fallu deux pages pour comprendre. D'accord, donc en fait, il a donné son haki. Comment il fait ça? Comment tu peux donner du haki? Genre, le haki, il a un autre pouvoir. Tu peux le donner, genre. Il y a un nœud. Moi, je suis quoi, cette dingue? Attendez. Après, vous imaginez la dinguerie, quand même, ça veut dire. Ça fait 800 ans, elle n'avait pas senti ce... Et là, d'un seul coup, elle ressent le haki de malade de Joy Boy. Normal. Joy Boy. Incroyable, elle écrit. Wouah! Ah, c'est masterclass. Ah, c'est incroyable. De qui fait... Ça y est, enfin, ils ont atterri. Non, mais par contre, Oda et les distances. Non, mais ils étaient même pas... Ils étaient sur la Lune. Quand ils sont revenus de la Lune, ils ont mis moins de temps. Ah, content de vous voir, les gars. Luffy. Qu'est-il arrivé à ces monstres? J'en sais rien, ils ont disparu. C'est quoi ce bordel? Un robot avec du haki? Et comment ça les a fait disparaître? Oh, putain, mais dégoût tout ça. Je vous jure, ça me fait même plus rire. Je vous jure, Usopp, il me fait même pas... C'est même pas... Oui, mais c'est dans le cas... Il me fait même plus rire. Je vous jure, c'est même plus drôle. C'est juste... On a réussi. On a atterri sain et sauf. Tu vas bien, ami chéri? Oui, ça va. Mais Atlas et Edison... Le robot. Ah, il a encore les yeux allumés, là, non? Oh, ouais, il a tout donné. Ah. Ah. Écoutez, maître... Oh! Attendez. Faut que je bois. On va voir Joy Boy, là? Attendez, faut que je bois. Attendez, s'il vous plaît. Eh les gars, Joy Boy, on nous en parle depuis l'île des hommes poissons. C'est un moment historique. Si on voit Joy Boy, c'est genre, je veux profiter, les refs. L'heure... Oh, regardez comment il est habillé, Emmett. C'est marrant.
Avec sa salopette. C'est quoi cette salopette? Pourquoi t'es habillé, frère? T'es un robot. Genre, il veut cacher quoi? Il a froid, genre? C'est abusé, wesh. Bon, allez, c'est parti. Ah non, on le voit pas. Oh, les gamins. Pourquoi il a une cape de beau gosse? Je pensais qu'on allait le voir. Je vais utiliser mon haki le plus puissant. Ah ouais. Et le sceller en toi. Waouh. Tu vas vivre beaucoup plus longtemps que moi. Je ne serai pas toujours là pour aider. Ah, ça donne pas envie. Ah ouais, genre, on a la discussion. Il est posé comme ça, là. Bon, avec sa taille, on voit que c'est pas un géant, déjà, du coup. Donc, Joy Boy, c'est vraiment pas un géant. Il a son petit chapeau, là. À un moment donné, tu seras en danger de mort. Ou quelqu'un que tu voudras sauver le sera quand ça arrivera. Défais le nœud. Donc, quand ce sera l'heure, tu seras toujours là pour aider. Exactement. Quoi? Par contre, hé, frérot, il faut aller à la salle, hein. Exactement. Peu importe quand ça se produira, je te sauverai d'ici dans le passé, comme toujours. Et ça me rend heureux. Merci. Maintenant, même si tu meurs, tu seras toujours avec moi. Hé, ça n'arrivera pas avant longtemps. Frérot, t'es mort, hein. Des années et des années. Oh, il s'est éteint, le robot. Les yeux, ils sont éteints, ça y est. Il s'est éteint. J'espère que je ne me sentirai pas seul. Ah ouais, fin. Ah ouais. Vous dites quoi, les refs? Un crochet? Où vous voyez un crochet? Ah, ça, là. Oh, les refs, c'est Oda qui dessine. C'est Oda qui dessine une ombre. Je vous assure, pour l'instant, je dirais pas qu'il y a un crochet. Mais l'histoire, elle est incroyable, en vrai, du robot. C'est bien, ça, il a pas trop teasé, donc le robot fera partie du coup du flashback. Mais Joy Boy, c'est pas Luffy, officiellement. Officiellement, voilà, tous ceux qui pensaient à cette théorie, qui disaient, mais potentiellement, c'est Luffy, c'est fini. Joy Boy n'est pas Luffy. Voilà, c'est comme ça, Joy Boy n'est pas Luffy. Joy Boy, c'est un personnage à part, et oui, oui, clairement, oh que oui, on va avoir le droit au flashback du siècle oublié, un flashback incroyable. Ouais, je me suis... Nikos, hein, mon ref. Il est posé sur un poneglyphe. Il est posé sur un poneglyphe. Ah, vous pensez que c'est un poneglyphe, ça? Ah, je sais pas, les refs. Il y a un arbre et tout, là. Je sais pas si c'est un poneglyphe, en vrai. Je pourrais pas... Là, c'est pareil, c'est trop... C'est trop... Ah, ouais. Bon, bah, du coup, bilan. Bilan. J'ai flop sur le discours de Vega. Franchement, c'est un gros flop. Je m'attendais à vraiment... J'étais sûr de mon coup. Il allait avoir le droit à un adieu déchirant. Non. Non, non. Donc, voilà, c'est fini, le discours. Vega est mort. Voilà, c'est beau. Par contre, attendez, je suis un ouf. C'est la fin de l'arc-et, ça y est. Merci Karim, 11e mois d'abonnement, merci beaucoup les refs. C'est la fin de l'arc-et, c'est terminé. L'arc-et se finit par un flashback du siècle oublié. Joy Boy. Ah ouais. Mais ça prouve que Joy Boy, vraiment, ça prouve son caractère. C'est quelqu'un qui est différent de Luffy. Je pense qu'il est drôle comme Luffy et tout. Mais il est différent. Il est plus réfléchi que Luffy. Et Kizaru, ouais, pourquoi est-ce que les gens en parlent? Ah, parce que l'arc est fini, qu'il s'est pas relevé, c'est ça? Ouais, par contre, je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est... Elle ou la page? C'est quoi ce haki des rois de dégénérés mentaux? Non, mais il faut parler. C'est quoi ce haki des rois? Merci Adeline pour le sondage. J'ai un sondage pour évaluer le chapitre. Il me fait penser à Ace avec Oz Junior. Oui, c'est vrai. C'est vrai de ouf, ce petit lien. C'est vrai de ouf. Je trouve ça bien qu'il soit réfléchi. Ouais, de fou. De fou, de fou. Ça va dans ma théorie en plus, donc c'est bon. Pour l'instant, je suis content. Le chapitre se termine. L'arc se finit. Il ne s'est rien passé qui contredit du coup la théorie qui arrive.
Donc je suis content de ouf. Cet arc, à lire, franchement, il est monstrueux. Ça va être incroyable. Donc ça y est, les Mugiwara vont s'enfuir avec... ça y est, il n'y a plus rien qui retient les Mugiwara. Hein. Enfin, c'est pas la marine qui va retenir. Les membres du Gorosei sont arrêtés. C'est fini. L'arc est fini. Ils se barrent. Ça y est, les refs, c'est fini. Ça y est, en plus, on les voit peut-être quitter l'île dans la page, là. Même pas, pas encore, pardon, parce que c'est de la page du Haki. Mais ils vont quitter l'île. Ça y est, c'est fini, les refs. C'est un empereur. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, les refs. C'est fini. Saturne, en plus, il s'est détransformé. C'est fini, c'est fini. Kizaru, pourquoi faire? Regardez, regardez cette page. Regardez ce ciel qui se sépare en deux. C'est... Ah ouais, le... Ah ouais, putain, c'est triste. Les refs, vous pouvez clipper ce que je vais dire parce que c'est vrai. Là, les refs, on a eu encore un ciel qui se sépare en deux. Quand c'est pas... Alors qu'il y a un amiral présent, quand c'est pas un empereur, c'est Joy Boy du passé qui le fait. C'est Joy Boy du passé qui le fait, les refs. Si ça, c'est pas une dinguerie, les refs. Ça, c'est pas une dinguerie monumentale, les refs. Je suis désolé, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que même, on n'a jamais vu, même après que le que Egghead s'est fini, qu'un amiral est venu en mission, on n'a toujours pas vu un amiral utiliser du haki des rois. Voilà, c'est vraiment un truc de ouf. Oh, merci pour les 20 bits, mon ref. C'est très bizarre comme phrase, mais merci beaucoup. Pour moi, Roger est plus puissant que Joy Boy, car Roger est devenu roi, et Joy Boy non, comme Xebec. Pourquoi il serait... Je ne serais pas qui est plus puissant que l'autre, on verra durant le flashback, mon ref. On verra durant le flashback, et on verra durant God Valley, parce que durant le flashback de God Valley, on va voir Roger se taper. Joy Boy, avec 800 ans de décalage, il est plus efficace que Kizaru. Oh, tu l'as terminé.